On va déclarer la guerre en Asie. Oui, on va aller chez nous. On ok, va aller les gars. Oh putain, il est chaud, Luc Fuc là. Il est chaud patate, le gars. Salut à tous, c'est Joël, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur le mode Métro Dark RP avec Steven, mon cousin. Salut Steven. Salut tout le monde. Hey, salut Nabil, ça va Nabil? Oui, ça va, beaucoup monsieur, ça va très bien. Ok, super, nickel. Donc du coup, bah, on est sur un petit serveur que on m'a pas mal recommandé en fait. C'est pas forcément le serveur qu'on m'a recommandé, c'est plus le mode de jeu. Donc ça reprend bien l'univers du jeu Métro, s'il y en a qui connaissent. Donc post-apocalyptique quoi. On est des survivants en fait. Et du coup c'est de la totale découverte. Voilà, donc on va faire un petit tour de la map déjà. Je sais pas du tout. Merde putain, ça y est, je suis déjà coincé. Le but du serveur, ça va être, c'est un petit peu une guerre entre deux clans. C'est le Reich et la milice. Et donc du coup en fait, si vous voulez, c'est exactement comme Dark RP. De toute façon c'est un serveur dans le mode Dark RP. Donc comme vous voyez, hein, on peut choisir un métier. Médecin, armurier, marchand itinérant, loup solitaire, chasseur de mutants, bandit. En fait, il y a pas mal de métiers. Donc, comme vous voyez, il y a trois clans en fait. Il y a le Reich. Ça, c'est la Redline et la milice. Après, il y a les bandits. Bah, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un métier. Allez, les gars, moi je me mets milicien. Moi j'essaye. Toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est moi, maman, qui dirige. Comment ça, j'ai pas le droit de parler? Je viens d'arriver. Comment? Mais c'est quoi leur problème? Les gars! Non, mais on vient de se faire péter la gueule. Ils sont sérieux? Ouvrez. Vous êtes sérieux les gars? On va stopper les bombes là. J'ai pas ce qui s'est passé là. Ok, d'accord. Attends, moi je me casse de là, Bonjour monsieur, pourriez-vous faire la porte A s'il vous plaît? Oui, bonjour, oui la porte A? Oui tout à fait, ça doit être celle à côté de la porte B. Et de façon similaire, troisième à partir de la porte C. Oui. Oui, tout à fait. Menez-moi à la porte A, je vous l'ouvre tout de suite. Attendez, ça se trouve, je suis en train d'ouvrir la porte à un bandit, j'en sais rien du tout. Bah, il a pas une. Moi, pour l'instant, j'ouvre les portes à tout le monde. Ah non, c'est un chasseur de mi-temps. Attendez-moi. Je suis perdu. Oui, ah, vous êtes perdu. Déjà. Ah, ça tombe bien parce que moi aussi. La porte, oui. Mettez-vous en place à vos portes. Oui, bien sûr. Tout à fait, j'arrive. Je vais vous ouvrir la porte A, bien sûr. C'est moi, l'ouvreur de porte A. J'arrive. Seulement de porte A. Seulement de porte A. Je ne suis pas apte à ouvrir la baie, mais là. Oui, elle est où la porte A? C'est celle-là la porte? Et comment on fait? Attends, je vais le faire chier un peu. Je vois qu'il y a écrit porte. Attendez, parce que. Excusez-moi, je vois qu'il y a écrit porte A. Cela veut dire que c'est la porte A? C'est bien la porte A ici. Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît, que c'est bien la porte A? Je confirme que c'est bien la porte A. Ah! Merci monsieur, nous allons vous ouvrir dans un instant. Très bien, pouvez-vous me confirmer également que c'est bien la porte A? Il nous faut deux confirmations, une à mon collègue et une par moi. Disons que la porte A est très stricte à ouvrir. Avec les plans Vigipirate en ce moment, on peut pas laisser sortir et entrer n'importe qui. Ouais, voilà. On met du scotch partout. Oui. Donc, ce qu'il faut faire monsieur, c'est que je vais vous donner un formulaire à remplir. Vous allez passer à mon collègue, vous lui dites bien que c'est la porte A. Lui-même vous passera un formulaire à me retourner pour me dire que c'est bien la porte A. Après, dans cette dernière, je vous enverrai vers mon autre collègue. Mais monsieur... Il avait plus ton formulaire. Attendez, on va vous ouvrir, monsieur. Monsieur, revenez. Je vous ouvre, c'est bon. Je vous ouvre la porte A. Venez, je suis apte à ouvrir. Venez, allez, je vous ouvre la porte A, venez. Vous voulez sortir, c'est ça? Allez, venez. Bon, monsieur, désolé, on a des stagiaires en ce moment, je vais vous l'ouvrir la porte A. Alors, venez. Monsieur Tyson, vous avez le formulaire pour la porte A? Est-ce que vous avez le formulaire de la porte A, monsieur Tyson? Monsieur Nabil et monsieur Tyson. Et voilà, c'était ça le formulaire, c'est bien. Okay. Vas-y, donne-lui parce qu'il va nous tuer. Allez, venez, je vous ouvre, Très bon formulaire, hein. Alors venez chercher votre tampon. Venez, il faut tamponner la feuille. Il y a le tampon qui est juste ici. Il faut juste dire tampon. Tampon. Ça marche. Ok. Comment? Et quelle est votre radio préférée? Énergie. Vous avez gagné! Eh bien, vous avez gagné! Allez-y! Bien! Mais vous voyez, c'était pas dur, monsieur. Au revoir! Au revoir, monsieur! Même pas merci, merde! Je vais lui apprendre les bonnes manières. On va lui dire merci. Avec tu veux lui rendre service à lui? Vas-y, dis-lui merci avec la péteuse. Oh, monsieur! Merci! Il y a des terroristes par métro. Non, pas du tout, monsieur, pas du tout. Comment ça, non, pas du tout? Alors, nous, y a eu des explosions nous essayons actuellement les armes et nous vérifions qu'ils sont bien fonctionnels. Bonjour, je suis bien le technicien de la porte A, vous avez besoin d'un renseignement?
Le mec, je parle avec lui, il se ramène comme une publicité. Je vous prie de m'excuser, c'est un stagiaire. Stagiaire, allez là-bas, oui. S'il vous plaît. Alors, si vous voulez ouvrir la porte A, donc, je vous donne un formulaire à remplir. Ce formulaire, vous le prenez, vous le retournez à mon collègue, qui, ce collègue, vous retournera un autre formulaire à ramener à mon autre collègue pour ouvrir la porte A. À ce moment-là, vous pourrez sortir. Waouh, ok. Ah, on est trois techniciens, c'est nous qui les gardiens. Ok, stagiaire, s'il vous plaît. Oui. Oui, mais si vous voulez, si vous voulez ouvrir la porte A, monsieur, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On a les... Le mec, il se tape une barre en train de parole. Monsieur, vous prenez des drogues. Oui. Est-ce que vous voulez ouvrir la porte A, monsieur? Ah ouais. Je suis le technicien de la porte A, je peux vous faire sortir si vous voulez. Est-ce que ça vous a... Lénis, je kiffe. Est-ce que vous voulez ouvrir la porte A? Monsieur, pour sortir, il faut une porte. Pour sortir, il faut passer par une porte. Ah, il faut d'abord remplir le formulaire. Par cette porte, ça veut dire. Bien sûr. Il faut d'abord remplir le formulaire. Et après, nous allons dire merci. Je peux sortir par la baie. C'est interdit, désolé, c'est que par la porte A, et après nous allons vous remercier à notre façon. Nous ne sommes pas aptes à ouvrir la porte B. Je préfère. Nous ne sommes pas. Je préfère rester ici en sécurité. Oui, bien sûr, mais si vous voulez ouvrir la porte A, monsieur, il faut remplir un formulaire. Et oui. Attendez, je vais peut-être réussir à ouvrir la porte B. Venez. Non, monsieur. Moi-même, je comprends pas ma conversation de toute façon. Moi, je suis perdu avec ma porte A. Y'a pas de porte B, monsieur, y'a pas de porte B. Oh putain! Ah bah ça a marché, monsieur. Sorcellerie! Sorcellerie! Non. Pardon, monsieur. Ah, tu l'as tué? Non. Monsieur, vous êtes mort? Je demande s'il est mort. Je crois que mon collègue a le sang chaud. Oh! Les gars! Vas-y, on se casse. Ah bah voilà. Voilà, on aime bien ouvrir la porte A. On est des techniciens de la porte A. Un roulement a changé sur la porte A. Il me semble pas qu'elle grince pourtant. Est-ce qu'on prend pour la porte B? La porte A. Après A, c'est B. Vous voulez ouvrir la porte B? Très bien. Vous devriez remplir le formulaire de la porte B dans ce cas-là. Suivez-moi. Voilà. Donc remplissez ce formulaire ici. Il faut juste dire tampon. Voilà, maintenant il faut aller voir mon collègue Nabil iPhone et il va vous faire remplir le formulaire de la porte B. Allez-y. Il a sur la chaise, il y a un formulaire. Voilà, il y a un formulaire, oui. Non, pas tampon, ponton. Venez pour le dernier formulaire, monsieur. Vous allez voir mon ami Tyson. Suivez-moi, monsieur. Voilà, le dernier formulaire se trouve ici. Monsieur Tyson Zonta va vous le faire remplir. Que se passe-t-il, monsieur? Ah, mon garçon, je vous attendais. Vous voulez ouvrir la porte B? Oui, pour la porte B. Je veux ouvrir la porte. Alors vous devez juste répondre pour cette dernière épreuve à cette énigme. Je suis ronde. La nuit, j'éclaire mes passants. Oh, comment a-t-il fait? Eh ben, conduisez ce jeune homme à la porte B, je vous prie. C'est une roue, c'est ça? Je suis assez contrarié, d'habitude les gens ne trouvent pas mes énigmes. Qu'est-ce qui est long, qui fait souvent mal, et qui sent bon la marée? C'est ma bite! Venez, donc vous avez juste à dire tampon. Tampon, ok, venez. Acceptez, monsieur, acceptez. Acceptez, venez, c'est bon. Allez-y, c'est bon, vous pouvez passer. Est-ce que je les remercie? Non, je les remercie. Non, remercie. Remerciez pas tout le monde quand même, monsieur Nabil, je sais pas. D'accord. Faites comme vous voulez. Il y a un armurier qui veut rentrer. Faut qu'il dise tampon. Monsieur l'armurier a dit tampon. On dit tampon. Tampon. Tampon, c'est bon. Laissez passer. Tu as autorisation à accepter. Eh moi, tampon. D'où vient cette jolie mélodie? Du ciel. Monsieur, du ciel. Ah ok, d'accord. Ah ouais, du ciel. Yes. Je l'avais même pas vu, Tenny Watson. Messieurs, il y a une réunion, chers miliciens, donc vous devez y aller. Oui, tout à fait. Elle est où la réunion? Elle est dans le bureau de la ministre. Réunion, les gars. On est parti. Bonjour, chef. Ah, non, vous n'êtes pas là. Vous mettez là. Ah, ok, d'accord. D'accord. Oh. Oula, vous avez le sang chaud, chef, hein? Apparemment, vous n'êtes pas très bien armé, d'après ce que j'ai vu. Et bah, faudrait que vous armiez d'AK-47. J'en ai déjà une, moi. Par contre, c'est des balles qui me manquent.
Tenez, il y en a quelqu'un, j'en achète qu'un, c'est toi, hein. Voilà. Normalement, d'accord, c'est oui. Oh, j'aurais dû dire que j'en avais pas, Merci, monsieur. On va déclarer la guerre en Asie, oui, on va aller voir chez nous. Ok, les gars. Oh putain, il est chaud, Luc Fuc, là. Il est chaud patate, le gars. Monsieur, vous pouvez acheter des munitions, mes soldats, ils vous paieront. Ouais, j'ai besoin de munitions, c'est moi, monsieur. C'est 55 balles, la boîte de munitions. Ok, ça marche, je vous les achète. Ah, les sous-militaires, tout le monde, venez. Attendez, chef, je prends mes munitions. Oui, chef. On est parti, on vous suit. Il est parti où? Ah, il est parti là, yes. Vous restez à la station, si vous descendez du wagon. Ah, c'est la porte B ici, je m'y connais. Tampon. Merde, on est bloqué, vas-y. Ok, on laisse un militaire. Un militaire reste ici. Moi non plus. Moi non plus. Me battre pour notre peuple, monsieur. Donc. Oh ouais, moi aussi, je veux me battre pour la milice. On se bat tous pour la milice, les gars. Par contre, vous vous taisez, par contre. Ça marche. Ok, chef. Coupez vos lampes torches. Ok, ça marche. Ok, on est parti pour déclarer la guerre. J'ai dit coupez. Rage. Chef, vous êtes là, chef. Plus vite pour repérer. Dépêchez. Ils nous ont repéré. Bah, c'est temps. Mais comment il est? Attends. Mais il est sérieux. On va se péter les jambes là. Ah non, c'est mais non. Mais contournez un passage. Putain, mais il y a un passage. Vous êtes aveugle ou quoi? Mais non, mais moi je connais pas, moi. On va se détendre, chef, hein. On va se détendre. Bon, par contre, si la porte elle est fermée, on fait quoi du coup? On peut pas ouvrir. Vas-y, vas-y, je te sens chaud, Luc. Je te sens chaud, tu vas l'avoir. Vas-y. Sinon, on peut juste toquer, peut-être qu'ils vont nous accueillir. On va boire du café. Ah ouais, sinon, voilà. On frappe et puis on demande s'ils veulent boire le thé. Vous voulez boire le thé avec nous? On a les petits gâteaux. Et on a des acas. Des petits agâteaux. Des acaramels. Des acaramels, oui, tout à fait. Et oui. Et des macaras. Des acaramels beurre salé. C'est Nabil qui les a fait. Ils sont chauds. Ah bah bravo, du coup. Oh putain, les gars. Sale traître, chef. Je le chef est un traître, les gars. Le chef est un traître, les gars. Hein? Alors? Le chef est un traître! Le chef est un traître! Ah, je prends juste ça, moi. Voilà, c'est bon. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi vous vous entretuez? Je crois que c'est le chef, il a foutu la merde. Non, le chef n'a pas foutu la merde. Quel métier? Là, ça commence à partir en couille. Maintenant, on revient à la base. Et on va se détendre, hein, sous-chef. Allez, on rentre à la base. C'est par où la base? Continuez tout droit. Bon, bah, mission échouée, hein, franchement. Qui voulait déclarer la guerre aux nazis, c'est complètement raté. Tampon, tampon. Tamponnette. Oh bah monsieur. Ah salut, salut Tyson. Bonjour, je vous avais manqué. Bon bah c'est un échec hein, la mission Rage, c'est raté hein. Là c'est, on a tout dans le baba là. Lenny, venez, venez Lenny, venez, venez Lenny. Oui, oui monsieur Nabil, il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte A. Ah. Non, quelqu'un. Ah, je prépare une autre. Je prépare une autre énigme. Quelqu'un veut ouvrir la porte A? J'ai le formulaire, hein. Je l'ai sous la main, hein. Je suis là. Personne. Oui. Je suis le meilleur tireur d'élite. J'ai réussi même à buter un allié sans le vouloir. Ah ouais, ça c'est clair. On a vu ça. Bien joué, chef. Un GG. Qu'est-ce qu'on fait? On repart en mission. C'est quoi le dernier militaire qui a récupéré tout l'argent là? Parce que j'ai vu un bâtard ramasser tout l'argent de tous les morts. C'est Victor. C'est Victor. Ouais, et il va rendre l'argent parce que là j'en ai. Il vous avait ramassé tout l'argent qu'il y avait à terre. Ah, c'est pas moi. Eh, je crois que c'est moi qui a pris l'argent, les gars. Regardez, j'avais que 5 balles, j'en ai 245 en bas à gauche. Donc, comment qu'on fait, chef? Qui c'est qui vous la porte B, les gars? Tampon. Merci. Tampon. Tamponnette. Eh, vous avez pas tous dit tampon, hein? Tamponnette. Les gars, comment qu'on fait? C'est quoi? C'est la porte C, celle-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, attendez, je monte avec vous, chef. Non, mais allez-y. On va utiliser une chaise au pire, parce que là, c'est la merde. La nuit, il est pas là, la porte, elle est bloquée, on peut rien faire. Attendez, chef, j'ai peut-être une solution, moi. Bah, faire prendre une chaise, hein, j'ai une idée. Putain, tu m'as fait mal avec ton jardin. Oh putain, moi aussi je me suis fait mal. Mais j'ai une idée, wesh. Putain, mais. Wesh, vas-y, présente-nous ton idée. Wesh, vas-y là, wesh, ton idée c'est quoi là? Wesh là.
Wesh. Oh putain, quelle belle idée. Oh putain. Allez, faites-moi passer. Les gars, faites-moi passer. Allez, les gars, on se casse. Oh yes. Ça marche. Je vous attends, les gars, je vous attends, les gars. Oh, il y a une scène de torture, les gars. T'es... Oh, t'es coincé, Nabil. T'es coincé. T'es complètement coincé. Il y a un bug dans la matrice. Pour un frère, je trouve que vous l'exécutez avec vraiment beaucoup de sadisme. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est pour moi, ça. Hop là. Mettez-vous sur le chariot, tu t'assois à la fin. Et tu appuies. C'est bon, il est là. Oui, c'est de torture. Vas-y, fais-moi passer Tyson. Vas-y, assieds-toi. Oh putain. Attends, mais je suis... Ah, je suis passé. Y'a moyen là. Attends, vas-y, essaie de... Attends, je te repose. Hop. Non. Vas-y. Vas-y, fais clic droit là, passe-moi quelque part. J'arrive, chef. J'arrive pas à passer. Ah ouais. C'est bon. Je suis coincé. Allô, chef. Y'a quelqu'un qui me reçoit?